Vous ne dites pas toujours ça hors antenne, mon cher Philippe. Mais n'y revenons pas. On ne les comprend pas toujours. Voilà, mais nous exactement. Les aimons bien. Alors, Isabella Tobias, Ilia Tchatchenko. Donc, qui patine pour Israël. Il est évident qu'Ilia Tchatchenko était donc russe d'origine, mais a pris la nationalité israélienne. Et ça, c'est évidemment très bien parce que ça leur permet de s'exprimer davantage ouais. qu'en Russie, où les places, évidemment, sont prises. Il y a bien patiné avec Isabelle, à moi. Et ce sont les premières notes de Casse-Noisette que nous entendons. Un bonheur total. Qui a pris beaucoup de prestance hein, depuis la saison passée. Et rappelons que le patinage israélien monte en puissance. Hein. Il commence à occuper les podiums européens. Donc c'est une équipe auquel il faut le faire attention. D'énergie à déployer dans ce porté. Je trouve que l'interprétation est plutôt bien. Il y a de la glisse. Il y a aussi de l'expression. Quelques secondes pour apprécier ce beau programme, beau et bon d'ailleurs. Il pourrait encore gagner un peu en condition physique d'ici le championnat d'Europe de janvier. Mais ça reste un couple prometteur. Beau sourire, très, hein. Ouais, très très joli, très très jolie performance de ce jeune couple israélien qui en plus est très très glamour, très souriant pendant les 3 minutes 30 de cette chorégraphie inspirée sur le casse-noisette du grand Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ouais, Tchaïkovski que je côtoie en ce moment très souvent.
avec le light dancing sur glace. D'ailleurs, je vais malheureusement être obligé de vous quitter, les amis, puisque ce soir, je joue à Marseille. Il faut que j'aille vite prendre un avion pour après être en retard. D'ailleurs, vous m'avez impressionné, hein, Philippe. Philippe, excusez-moi, je vous interromps une petite seconde. André Philippe, notre ami que l'on vient d'apercevoir, speaker pour cet événement. Oui, alors je disais que j'avais été impressionné, Philippe, parce que je vous ai vu dans le lac des Signes sur glace au Grand Rex. Jamais j'aurais pensé que vous seriez ainsi dans votre élément sur Tchaïkovski et les lacs des Signes. Et je suis pas en tétu. Vous m'avez épaté. Je suis même pas en tétu. Je joue un personnage. Et d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à jouer ce personnage. Il y a une équipe fabuleuse. On va faire ce week-end Marseille, mardi nous serons à Genève et puis ensuite on sera à Strasbourg et puis on terminera à Roubaix le week-end prochain. Voilà, donc c'était une grande tournée, désolé de ne pas pouvoir terminer, mais vous allez avoir la chance de commenter les meilleurs patineurs de la danse sur glace actuelle, donc je vous dis à très bientôt en tous les cas. Allez, vous pardonne, rejoignez les beaux signes et ce beau spectacle. C'est gentil, allez, Tchaïkovski m'appelle. Envolez-vous, bon Philippe. Bon vent, Philippe, bon merci. Vent. Merci à vous, bonne fin de tournée. À très très bientôt. Alors ce couple israélien, c'est intéressant, Annick, parce que, alors à un moment donné, parce que je sais que nous avons un peu le même avis, il y a eu un petit réarrangement moderne de cette... Ça, j'ai toujours du mal. Oui, en plus, on se demande bien pourquoi, parce que c'est musique de Tchaïkovski. Je vous saurais mieux que moi, Nelson, hein, votre culture musicale est tellement immense. Bon, ça dépend. Mais le programme est de 4 minutes, et ouais. Il y a bien un moment où il faut... Arrêtez Tchaïkovski. Oui, d'autant que alors si on considère Casse-Noisette, ça dure plus de 2h30, ah oui, pardon, évidemment. Mais... Nous ne tiendrons pas, même avec une grande condition physique. Cela n'est pas possible. Ceci dit, ça me permet d'être en admiration totale sur les danseurs, notamment de l'opéra que je vais souvent voir, et qui ont une condition physique extraordinaire pour tenir si longtemps. Mais même eux doivent, à un moment, reprendre un peu leur souffle et laisser place à d'autres danseurs. Donc on est bien obligé de couper Tchaïkovski et on s'en excuse tellement son talent est immense. Alors le couple Shill Band, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'ils ont, comment dire, parmi leurs patineurs, des champions d'Europe, du monde olympique, etc. Moi j'ai adoré ce couple. J'ai vraiment trouvé une grande progression. Leur interprétation effectivement est sublime sur une musique sublime. Et ils s'enflamment, car cette musique s'enflamme et parfois les patineurs ne suivent pas le même rythme. Et là, j'ai trouvé que vraiment ils se donnaient et j'ai beaucoup aimé. Et personnellement, je les ai préférés aux Canadiens. Ah, bah ça va être intéressant parce qu'ils sont normalement derrière au classement général. Vont-ils... Tout petit, 1.04. Ouais. Donc le libre va vraiment être déterminant. Ça, c'est qu'en danse, vous le dites souvent, les positions sont assez figées et qu'il est difficile de bousculer. Oui, mais ce sera dur encore car ils sont très novices dans la compétition. Donc, ce sera très, très dur de déloger les Canadiens, voire impossible peut-être. Mais cela ne tardera pas s'ils continuent à progresser ainsi. Deuxième. Ils sont derrière. Enfin, c'est tout de même une très jolie performance pour Isabella Tobias, Ilia Tchatchenko, Israël donc... Their total score is plus, ils sont très beaux, très souriants, très sympathiques. Longue vie à eux dans le patinage.